La vie. La vie est étrange et nous sommes pris dedans. Traverser l'océan pour trouver aux aurores un monde déroutant qui nous plonge au cœur de ce qui a toujours été pour nous des terres lointaines dont les échos nous parviennent à peine. Une fois le seuil franchi, c'est une vie qui palpite. Des destins que je croise, des gens que je salue. Metra mina kelora kleklena. Oye ni bora ni klara nyekula mena nakokhno. Mena nununso. Ni klara nununso na meta furula. Nebe misene, nebe nyosene. Ka kore sene ka tiga sene ka nako sene nako khona ra mbe shu se ara nya mbe shu la ni tomato fle ni ani manje ba ni bangu ni sene wa te ni sera lam sha data nya de foni klima bora ni klima bora an ko ni ambe wa ti ta ka an se na nyu. Aye, what okay? Some na musaka re de kagele ni balui. Ya famia. Kadaka, mugo kachani chikela. Some na ne afosa ko mo bina ni saba. Ne de bo balu. Nga chikela mo shek ni ne bulu. Ha ya ro koni ko. Rares sont vraiment des familles qui, après l'hivernage, ont vraiment les céréales nécessaires pour nourrir la famille toute l'année. C'est très rare, honnêtement. Même pas ça, chaque année, c'est le même travail. Il n'y a jamais de retraite. Il n'y a pas une année où tu peux dire, bon, l'année dernière, j'ai eu assez de céréales, donc cette année, je vais me reposer. Il n'y a pas de repos. Et si tu n'as pas la chance aussi, quand tu vieillis et puis tu n'as pas assez de main d'œuvre, tu es obligé, même avec ton l'âge avancé, tu es obligé d'aller travailler au champ pour survivre. Allah, 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 Allah.
Numuya akase bakoro gele parce que niya me ko numuya dimina mina dongwa ereba don si sa isigile mbé tashuma krefe eska ta sokomala fe ko ulada akon sigile mbé ka nege gushi kabla dumwa be gwenin krefe gwen be panga dai kan nege besigi bana tashuma ko fu dele o besigi o begi ka bo fiko lula mena ni musiko lula mena tsika numuya ke bo ni shi koro ale ndo abe di ibe ishi koro ale abe di la meni kamale na madu iba ke ni ko wula fe iba fe ma fenke des gestes millénaires répétés inlassablement. Abedjan décevolement cadien son est moyen grasro ba blaka ota ni moyen grain nana c'est ça mais ce que mais ça barafini bla ça barafini il labanto il bi miri laban barafini même musoron chama dessa de dorata barafini do nte sran koronya de barafini be sran barafini ola bande miri la de son te sran koronya nero nera ka hakina ne sega muntan ne ta blank no ne denga ni wonse ni wa ne de ube kala fota wona de sera ron funi re yiba yere Ouais, c'est important vraiment pour moi de réussir à mes études parce que en ce moment là vraiment je veux être riche. Je veux être riche vraiment pour pouvoir nourrir, pour pouvoir prendre ma famille en charge et puis si possible aider mes amis, hein, mes frères, si possible, si ça trouve que mes parents vivent. Donc, je veux faire mon mieux quand même pour eux. Un proverbe malien dit comme suit. Le chemin le plus court pour aller d'un point à l'autre n'est pas la ligne droite, c'est le rêve. Rêver pour toucher du doigt l'infini, pour trouver réponse aux questions les plus déconcertantes de la vie. Ce qui est plus important dans la vie, c'est la liberté. Pourquoi? Parce que quand tu es libre de faire, ce que tu veux,
ça te permet aussi ça te permet de réaliser beaucoup de choses. Ça te donne aussi ça te donne un certain pouvoir quoi dans la vie. La liberté. Est-ce le devoir de suivre les moindres élans de notre âme, de se laisser transporter par nos passions? Ou s'il ne s'agit pas plutôt de l'espace dont dispose l'individu pour s'accomplir? La délicat, même, Non, 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 non
travaillant, surtout en pilant le mille qui chante, ça fait, c'est-à-dire ça passe vite. Ça passe, c'est le temps qui passe vite. Tu te concentres aux chansons plus le travail. Donc, tu peux piler plusieurs mille sans le savoir, même en chantant. Donc, tu chantes, tu es content en train de chanter. Mais surtout en pilant, nous les piles, quand on chante, on dit le ventre. Pour avoir un ventre plein, il faut piler. Pour avoir un ventre plein, il faut piler. Ici, au Mali, le trois quarts des gens vivent sous le seuil de la pauvreté. 70% de la population est analphabète. Un enfant sur deux ne fréquente pas l'école. 50% de la population n'a pas accès à l'eau potable. 400 enfants de moins de 5 ans meurent à tous les jours. Mais comment mesure-t-on le bonheur? En sourire? Si on dit qu'il faut vivre en communauté et que la communauté elle doit être encore forte et que cette tradition doit être encore sauvegardée, c'est lié à tout cela. Donc partout, il y a une fois aussi un stagiaire qui m'a demandé à Sanangroba, il dit quand on vient, on ne sait pas qui est riche et qui est pauvre. Tout le monde se trouve heureux. On a l'impression que tout le monde est heureux. Mais moi, je dis, c'est ça. Ce qu'on a de porter de vrai même, c'est ça, cette gaieté-là, en l'individu. Il faut croire en l'individu. Il faudrait que l'individu réfléchisse au-delà du moyen matériel. Il faudrait qu'on aille au-delà du moyen matériel. Parce que quand on s'accroche beaucoup aux moyens matériels, quelque part, on devient assez spirituel quand tu n'en as pas. Mais quand on essaie de se départir un peu de ce moyen matériel, un peu, on ne peut pas vivre sans ça. C'est sûr et certain. Mais quand on essaie de se départir de ça, il y a d'autres façons de voir le monde. Qui sommes-nous? Nous sommes uniques et différents, comme tous les autres. Mais savoir qui l'on est, c'est d'abord regarder autour de soi. Gracias.
Fallait-il aller chercher si loin? En pays Bambara, on dit que la figue ne tombe jamais en plein dans la bouche et que d'être humain vaut mieux que tous les biens. On dit également qu'on ne ramasse pas un caillou avec un seul doigt. Mais chaque filet d'eau a son chemin. Ipa tu mani wo ipa, kata fone kani yoye. Ipa tu mani wo ipa, kata fone furu yoye. Ika te do sure tururu. Pantubani woipa, katafone kanunyoye. Pantubani woipa, katafone furunyoye. Ikata dosuretulu.